La région de San Pedro accueille dans quelques heures le président de la République Alassane Ouattara. En vue de garantir le bon déroulement de cette visite d'État dans les localités de Fresco, Sassandra, Soubry, Tabou et San Pedro, les forces républicaines de Côte d'Ivoire lancent l'opération Nawiyo, une opération qui vise à garantir la sécurité du séjour du chef de l'État dans le Boclé et à San Pedro. Pour la réussite de cette mission, 3965 hommes, tous issus des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, de la police nationale, des eaux et forêts, avec l'appui de l'ONUCI, seront déployés. Et toutes ces actions seront coordonnées à partir du poste de commandement principal, c'est au bataillon de sécurisation du Sud-Ouest. Le déploiement est effectué à plus de 90%, c'est clair. Et les derniers éléments de soutien vont rejoindre bientôt, c'est-à-dire que nous sommes satisfaits en termes de déploiement. Également en termes de soutien, c'était l'un de nos soucis, mais je remercie, la logistique suit. Nous avons les moyens pour exécuter pleinement cette mission. Les forces de défense et de sécurité entendent donc déployer les grands moyens logistiques pour la sécurisation de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans ces régions.